Elle laisse un riche pour aller se marier à un pauvre. Suivez la scène jusqu'à la fin. Tout a commencé un beau matin où le patron est venu au service avec sa petite amie. Il appelle son apprenti pour lui commander quelque chose. L'apprenti se lève et remarque que la femme qui était à côté de son boss était sa petite amie. Surpris, il lui demande ce qu'elle faisait là, à côté de son boss en plus. Ne comprenant plus la situation, le boss demande alors à sa petite amie ce qui n'allait pas et si elle connaissait son apprenti. L'apprenti dit à son boss de ne même pas se déranger et que la fille était sa petite amie. Mais la fille répliqua automatiquement en disant qu'elle ne connaissait pas l'apprenti et qu'elle ne l'avait jamais vu auparavant. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? L'apprenti dit à son boss qu'il était même prêt à le prouver parce qu'il connaît tout sur la jeune fille. Il dit à son boss que pour commencer, la jeune fille s'appelait Sarah. Mais automatiquement, le boss lui dit que c'était faux parce que la fille lui avait dit qu'elle s'appelait Jennifer. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur ce genre de femme dans votre vie? Une femme capable de vous nier en présence d'un autre à cause de l'argent? Dites-le moi dans les commentaires. L'apprenti dit ensuite à son boss qu'il a souffert plus de 6 mois pour économiser de l'argent afin de lui payer un iPhone 13 Pro Max parce qu'elle pleurait pour en avoir. Le boss demande alors à sa petite amie comment elle a fait pour s'acheter le téléphone qu'elle tenait en main. La jeune fille répond en disant que son père était un homme riche et que c'était lui qui lui avait payé le téléphone. Mais qu'est-ce qui va donc se passer à la fin? Abonnez-vous pour la suite et mettez la vidéo dans vos favoris. Si vous êtes au Bénin, Cotonou ou Porto Novo, nous sommes en train de recruter des acteurs pour jouer dans nos prochaines vidéos. C'est totalement gratuit. Si vous êtes intéressé, écrivez par WhatsApp au numéro qui se trouve dans ma bio ou qui est marqué en commentaire. Merci beaucoup. C'est totalement gratuit.